Bonjour à tous et bienvenue pour cette bulle douceur. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai encore jamais abordé ici. Et c'est comment faire quand ceux qu'on aime, quand d'autres dans le monde quelque part souffrent et qu'on est totalement impuissant. Comment faire quand une personne qu'on aime souffre et qu'elle refuse toute aide ? Ou qu'on aide et que quand on aide, ça devient encore pire. On a l'impression de faire qu'empirer les choses. Comment faire quand des personnes souffrent à l'autre bout du monde et qu'on se sent vraiment impuissant et pourtant ça nous fait mal. Et souvent, on oublie que toi, c'est moi. Moi, c'est toi, qu'on est tous reliés d'une façon ou d'une autre, et que si l'autre souffre, je souffre aussi. Que si moi, je me guéris, eh bien je te guéris aussi d'une certaine façon. Et que si on croit à ce que démontre la science maintenant, aujourd'hui, que je suis reliée à cette personne qui est à l'autre bout du monde, que au final, il y a des molécules, des choses qui se transmettent au-delà du temps et de l'espace, et bien, alors on peut toujours agir d'une façon, peut-être, quand on n'a pas l'habitude, d'une façon qui nous semble désuète. Mais sachez que, en plus d'être utile, vous allez avoir en vous un impact positif, vous allez vous faire du bien, vous allez vous relâcher, trouver la paix, et la paix c'est contagieux, le bonheur c'est contagieux. Alors voilà ce que vous pouvez faire, c'est venir dans votre bulle douceur, vous installer confortablement, peut-être fermer les yeux, relâcher. Et laissez-vous imprégner par une belle lumière, juste en fermant les yeux, en vous donnant toute cette intention, peut-être visualiser une énergie qui vient du sommet de votre crâne et qui descend à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, venez, on va vraiment utiliser le corps et vous allez lever les bras vers le ciel, paume de main vers le plafond, et comme si vous receviez un faisceau de lumière. Vous pouvez choisir la couleur de ce faisceau. Remplissez-vous. Et pour cela, vous avez reçu toute cette lumière. Amenez vos mains, vos paumes de main vers le sommet de votre crâne. Et sentez cette lumière, cette énergie qui se diffuse. Et vous remplit. Et vous allez même la guider. Vos mains vont venir descendre à l'avant de votre corps. Mais l'énergie va être et va circuler à l'intérieur de votre corps. Vos mains descendent devant votre front. Votre nez, votre visage, votre bouche, votre cou, votre poitrine, votre sternum, votre ventre, votre bassin, et propulsez cette énergie dans vos jambes. Ouvrez le cœur et souriez. Laissez venir à vous choses que vous avez qui vous mettent dans la gratitude. Allez chercher en vous cette place de paix parce qu'elle existe toujours en vous et il n'est que de vous de la retrouver. Rappelez-vous d'un moment joyeux, rappelez-vous d'un moment où vous vous êtes senti vraiment heureux, vraiment chanceux ou chanceuse. Connectez à une personne qui vous fait du bien, un livre qui vous fait du bien, un film qui vous fait du bien. Allez chercher cette place à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien. Et là, dans cette posture, laissez venir à vous l'image de cette personne dans votre entourage qui souffre, plus ou moins proche, de ces personnes dans le monde qui souffrent. Et quand vous avez l'image, venez les envelopper de votre énergie d'amour. Venez mettre de la joie dans leur cœur. Visualisez autour d'eux de la douceur.
douceur, de la chaleur, de l'amour. Peut-être visualisez-les en train de sourire, de danser malgré tout ce qu'ils traversent. Visualisez la paix qui pénètre leurs cellules, leur cœur. Donnez-leur un toit s'ils n'en ont pas. Une main tendue s'ils n'en trouvent pas. Et vous pouvez, tout en imaginant ces personnes-là, recevoir toute votre énergie d'amour. Continuez à visualiser également ce puits d'énergie qui vous remplit et en même temps qui se diffuse aux autres. En même temps que vous vous remplissez, vous continuez de vous remplir et d'apporter cette énergie ailleurs, cette énergie qui traverse le temps et l'espace. Vous contribuez. Et peut-être même qu'en faisant ça, qu'en vous connectant à cette belle énergie, des idées vous viennent, des choses que vous avez envie de faire, vous sentez l'appel, l'enthousiasme, quelque chose que vous sentez, vous êtes fait pour faire. Ne sous-estimez jamais une petite action, un petit pas, un regard, un sourire, une respiration consciente, un mot d'amour, une vraie présence, une écoute bienveillante. Je vous laisse avec quelques minutes pour méditer, pour visualiser. Faites-vous confiance. Recevoir un imprimé de ces messages.